Just Clash mécène après sa rupture avec La Story supprimée a fuité. Découverte en 2020 dans les Marseillais aux Caraïbes, Mécène Akyoul est devenue en 2 ans à peine une candidate emblématique de la télé-réalité française. Après avoir participé à 10 couples parfaits 4, où elle s'est mise en couple avec Alain Guedj. Réconciliée avec son cousin que vint depuis la tromperie avec Belle, elle a rejoint le tournage de la Villa des Cœurs Brisés 6. Puis des Vacances des Anges 4. Durant sa relation, assez tumultueuse, avec Alain. Mécène s'est beaucoup rapprochée de la famille Guedj et est devenue un personnage incontournable de la MIF. Une émission qui, malheureusement, ne sera plus diffusée suite à la rupture entre Carla Moreau et Kevin. Lors de son dernier tournage en date, celle qui se vante régulièrement d'avoir un QI 247 va faire une rencontre déterminante. Point. Mec n'est déjà plus d'actualité. Séparée d'Alain dans la bataille des clans, Mécène va tomber sous le charme d'Emine. L'assistant et meilleur ami de Jazz Korea. Une relation qui va mettre du temps à se concrétiser dans la villa. En partie à cause de Jazz. En effet, la maman de Chelsea, Kédan et London ne valide pas ce couple. En plus du fait que Mécène est un membre de la famille Guedj, Jazz n'était pas pour qu'il se mette en couple avec une candidate de télé-réalité. Malgré le fait qu'elle trouve drôle, intelligente et gentille. Mais l'amour est plus fort que tout. Mécène et Emine ont bel et bien vécu leur love story dans la bataille des clans et plusieurs semaines après le tournage. Hélas, la distance a fait que la relation s'est peu à peu essoufflée. Mécène habitant dans le sud de la France et Emine à Dubaï. D'ailleurs, Mécène a récemment pété les plombs en voyant Emine s'éclater en tant que célibataire à son anniversaire. Alors, bientôt les retrouvailles du couple dans la prochaine saison de la JLC Family. En attendant de le savoir, Jazz a souhaité donner son avis sur la rupture entre son assistant et son ex-petit ami. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la mère de famille n'a pas été tendre avec Mécène. Est-ce pour cette raison qu'elle a préféré supprimer ses stories? Trop tard, puisque les internautes ont eu le temps de les enregistrer. Point. Et voici ses révélations, on me demande souvent pourquoi je suis contente de la rupture entre Emine et Mécène. Déjà, je n'ai jamais proclamé être contente ou pas contente. Je ne sais pas de qui ça vient. Mais on va faire comme si on était débile. Il faut savoir que je n'étais pas pour cette relation et je ne l'ai jamais caché. Point. Moi, comme la famille d'Emine d'ailleurs, si vous voulez qu'on soit très clair. Ensuite. J'ai beaucoup discuté avec Emine. Il m'a dit qu'elle était importante pour lui et j'ai fini par lâcher prise. Contrairement à sa famille. Gentille, je parle avec Mécène. L'autre jour, elle le harcelait en boîte de nuit. Il était avec Laurent dehors. J'ai répondu à sa copine qui me demandait pourquoi il ne répondait pas. Je lui ai envoyé une invitation pour l'anniversaire de Laurent. C'est moi qui ai payé la demande de visa pour que Mécène puisse venir à Dubaï. J'ai tout fait. À partir de là, plus de nouvelles de Mécène. J'apprends sa rupture avec Emine sur les réseaux. Je ne suis pas contente puisqu'ils se sont écrits il y a 1 heure et elle le raconte déjà sur les réseaux sociaux. Forcément, j'ai les boules.